Bonjour, c'est Hélène. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute petite vidéo qui sort un jour totalement inhabituel. Mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre et que le 9 octobre 2020, j'ouvrais ma chaîne YouTube, cette chaîne Hélène ASMR. Donc je viens juste vous faire un petit coucou pour souffler la bougie de la chaîne avec vous. Voilà. Donc je vais essayer d'allumer sans difficulté la bougie. Alors, c'est une bougie qui a déjà servi. Mais je voulais quand même qu'on souffle la bougie des 1 an. Voilà. Allez, on y va. 1, 2, 3. Voilà. Alors merci, merci beaucoup à vous d'avoir toujours été là et d'être encore là. Alors ce que j'avais comme idée, c'était de reprendre en fait ma première vidéo et de refaire les mêmes triggers puisque je les ai retrouvés. Alors ça va vraiment pas être long, c'est juste histoire de faire un petit clin d'œil. En plus j'ai pas d'ongle, alors le tapping va pas être top. Et puis je fais une petite vidéo un peu comme les vlogs, donc il n'y a pas le Blue Yeti de brancher. Voilà, mais ma petite dent lapin en squishy que j'adore voulait elle aussi vous faire un petit coucou. C'est résistant, hein? Depuis 1 an, je la tripote sacrément, cette petite dent. Donc, je vais prendre les 4 triggers que j'avais dans la première vidéo. Alors, je ne sais pas si réellement je l'ai tourné le 9. Je ne sais plus. Je sais que j'ai ouvert la chaîne le 9. Ça, c'est certain. Quoi qu'il en soit, j'en profite parce que nous sommes... Alors, je crois que j'ai vu 780 abonnés. Mais comme des fois, du jour au lendemain, il y en a moins, il y en a plus. Voilà, j'avoue qu'avant de tourner la vidéo, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, un grand merci à vous tous pour toutes les vues que vous m'avez données, pour vos pouces bleus et pour tous les commentaires que vous mettez sous les vidéos. C'est vraiment essentiel, vous le savez, on vous le répète tous, nous les ASMR artistes. C'est essentiel à la poursuite de la chaîne, notre visibilité sur YouTube, parce qu'on est beaucoup en ASMR, mais on est beaucoup tout court sur YouTube. Donc voilà, il y a vraiment une importance à laisser un commentaire, à mettre un maximum de pouces bleus, et puis à regarder le plus possible de temps les vidéos qu'on peut vous proposer. Mais bon, vous le savez déjà, parce que beaucoup d'entre vous le font sans souci. Alors, je vais poser la bougie, hop, un peu plus loin que à côté de mes papiers. Voilà, donc sans vous, je n'en serais pas là, c'est certain. Et je pense que j'aurais aussi arrêté ma chaîne. Donc, un grand, grand, grand merci, vraiment. Alors, j'ai quand même envie d'adresser un merci un peu particulier aux personnes que je vais citer. Parce qu'elles sont là depuis le début. Et... sans aucune faille, vraiment. Voilà. Il y a d'autres personnes qui ont rejoint la chaîne plus récemment, mais qui sont tout aussi fidèles. Voilà, qui sont vraiment... il y a un petit noyau de fidèles. Voilà, j'avais envie de leur faire un petit coucou particulier parce que sans ces gens-là, on se sentirait moins important. On n'aurait pas forcément d'utilité parce qu'on servirait à personne. Voilà, donc ces gens-là sont vraiment des abonnés, je pense, qui ont besoin de vidéos, qui aiment les regarder ou les écouter et pour qui on est là de manière utile. Voilà, on fait du bien ou... on détend, on relaxe, on fait penser à autre chose, voilà. Et du coup, notre utilité prend tout son sens avec ces gens-là. Voilà. Après, je sais beaucoup qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ont vu une vidéo, qui gentiment se sont abonnés, ce qui est bien déjà, parce que on voit aussi dans les statistiques
J'ai regardé du coup un peu les statistiques pour une année en fait, parce que bon, je ne regarde pas du tout les statistiques habituellement. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup de vues qui sont faites par des gens qui ne sont pas abonnés en fait, et une majorité. C'est assez curieux, ça m'a un peu surpris. Il faudrait que je me penche un peu plus sur les statistiques du coup. Mais bon, voilà, donc je vais commencer par énoncer vos prénoms. Alors, il y en a certains qui ont une chaîne ASMR, mais c'est vraiment humainement que je veux vous remercier, même les ASMR artistes. Alors, je vais donner vos prénoms sans lier vos chaînes, parce qu'il y en a qui ne veulent pas que leur prénom soit su. Et moi, c'est vraiment des gens que j'ai envie d'appeler plus par leur prénom que par leur. Que par le nom de leur chaîne en fait, parce que c'est vraiment des gens qui m'apportent beaucoup aussi en retour, avec qui j'échange beaucoup, mais là encore, que ce soit des ASMR artistes ou des abonnés non ASMR artistes, c'est vraiment essentiel. Enfin voilà, moi je suis ravie, je suis sur Instagram et je suis assez active, je parle beaucoup en DM aux gens qui veulent me parler. Je parle beaucoup avec d'autres abonnés, enfin des abonnés. voilà, donc je vous mets ici d'ailleurs l'adresse de mon Instagram. Je pense que la plupart d'entre vous l'avez. Mais voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Alors, je vais commencer la petite liste des prénoms que j'ai notés. Alors, un grand merci à vous tous qui suivez. Aurélie. Sarah Lou. Ellie, Eva, Ophélie, Louise, Stéphanie, Benoît, Hélène et Leslie, Lucille, Pauline, Jade, ma petite sœur, Lily, Angélique, Déborah, Tina, Mathilde, Sandra, Gary, Sophie, Nicolas, Delphine, Camille, Audrey, Angela, Priscilla, Mélissa, Valentin, Sarah, Margot et Ori. Voilà. Sont des gens avec qui je parle, souvent sur Instagram, avec lesquels il y a un véritable échange, un véritable partage de bonnes ondes, de bienveillance. C'est vraiment un mot qui classiquement revient beaucoup en ASMR, mais qui a, pour moi, prend là encore un sens tout à fait authentique. La bienveillance, la gentillesse, le temps qu'on donne, le temps que les gens donnent. Voilà, c'est vraiment un partage et un échange. Franchement, vous connaissez un peu l'histoire de ma chaîne, et quand j'ai commencé, je parlais avec Tina, Mathilde, Sandra, qui ont leur chaîne ASMR et qui sont très très connues, bien sûr, rien à voir avec moi, mais qui avaient, ne serait-ce que là, donné du temps pour me conseiller. Tina a été d'une générosité en temps, c'est un amour. Mathilde, pareil. C'est franchement, aujourd'hui, Sandra est toujours disponible si j'ai une question, quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment, vraiment ça. Pour moi, un partage et un échange en ASMR, voilà. C'est, enfin, sur une chaîne YouTube dans l'absolu, mais sur l'ASMR, il y a cette bienveillance qui est là et qui, depuis le début, moi, m'a nourrie grâce à ces personnes-là, par exemple. Et au fil du temps,
avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, voilà, où je me suis, moi, rendue disponible, où on a échangé avec beaucoup de personnes. Enfin, voilà, je pense que tout le monde peut comprendre ce que je dis, même si ça a l'air un peu abstrait. Voilà, c'est juste un grand merci que j'ai envie de vous dire, parce que sans vous, bien sûr, cette aventure, elle se serait arrêtée, comme je disais tout à l'heure. Et bah, ça aurait été comme ça, c'est pas grave, mais ça m'aurait peiné un peu. Voilà, donc on a fait en tout cas une année ensemble, et j'espère qu'on continuera encore une autre année, pourquoi pas. On verra si ça marche encore entre nous. Allez, je vais vous faire quelques minutes de ce trigger. Il fait moins de bruit que dans la première parce que je l'ai réécouté avant. Il doit être moins plein en fait, tout bêtement. J'en ai plusieurs, donc c'est vrai qu'en un an, je ne l'ai pas vidé non plus. Enfin, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment. Mais c'est vraiment pas une vidéo classique, du coup, elle est même en voix normale ou en soft spoken. Plutôt en voix normale d'ailleurs, je me suis un peu laissée emporter. Et je voulais juste vous dire merci. Donc voilà, c'est quelques petites minutes que je vous prends pour vous embrasser très très fort. Et vous souhaiter bien de belles journées à venir et puis de bons moments avec mes vidéos si vous le voulez toujours bien. Et on se donne rendez-vous dans un an, voir si tout le monde est encore là pour souffler la bougie numéro 2. Et en attendant, plein de vidéos en projet. Et comme je l'ai mis sur Instagram dans la semaine, il y a une nouvelle série qui sort, puisque ma série de la vie en couleur est finie. Même si certains m'ont dit « Ah, oh, mais tu peux faire des mélanges de couleurs. » Voilà. Donc, je verrai, j'en ferai peut-être un clin d'œil dans quelques temps. Mais là, voilà, à peu près mi-octobre, je pense que je pourrais tourner la première vidéo de la nouvelle série. Mais je vous tiens au courant, bien sûr. Allez, merci de votre patience, de m'avoir écouté. Merci de vos abonnements, merci de vos petits pouces bleus, merci de vos commentaires et de vos vues sur mes vidéos. Et je vous embrasse très très fort. À bientôt.